Je m'en bats laissé, je me casse moi, malmené par Cyril Hanouna, ce chroniqueur pète les plombs. Ce 18 novembre, poussé à bout par Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi, René Malville a menacé de quitter TPMP. Poursuivi par l'ordre des médecins, le PR Didier Raoult est sorti du silence ce 18 novembre, dans Morandini Live sur Pnou. Accusé de charlatanisme, l'homme à la blouse blanche a crié au complot médico-politique. Et d'ajouter, je crois que notre pays n'a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire purement politique sans se préoccuper du soin et avec une vision qui pense qu'il existe une autorité scientifique qui s'impose aux scientifiques. Pour défendre sa vision, René Malville, supporté invétéré de l'Olympique de Marseille devenu chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP avait bossé son sujet. Ce mercredi soir, dans La Quotidienne, il a assuré à propos de l'interview de son idole « Je savais depuis très longtemps qu'il y avait un petit complot très très haut placé, ça faisait partie des armes, je savais ça depuis plusieurs mois. Donc je ne suis pas étonné du tout. » Lui qui avait pris des notes pour parler de ce sujet qui lui tient à cœur a dû s'interrompre à plusieurs reprises. Sur le plateau, Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi n'ont cessé d'éclater de rire. Un comportement habituel qui a pour une fois beaucoup agacé René Malville, lui qui n'aime pas plaisanter quand il s'agit de la cité phocéenne s'en est pris directement à Benjamin Castaldi. Il a lancé avec virulence, « Moi je m'en bats laissé de lui, toi quand tu parles de tes conneries, que tu te mets une larmichette, ils doivent se taire. » Oh Benjamin, tu te crois quoi toi ? En face, Casta a tenté de reprendre son sérieux, avant de pouffer une nouvelle fois. Rassemblant ses affaires, pour quitter la table, René Malville a assuré à son patron, « Je m'en vais, point, je me casse moi. Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. Je suis pas là pour faire le comique des petits bobos parisiens là. » Une séquence qui devrait amuser le principal intéressé dans quelques jours. Quand la pression sera retombée, point vous ne devinerez jamais combien de conquêtes a eu Benjamin Castaldi. Volume 90% press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts raccourci clavier enable et disable de play pause space augmenter le volume diminuer le volume avancer reculer sous titre activer désactiver plein écran sortir du mode plein écran désactiver le son activer le son avancer pour 109 prochaine vidéo Renault. Une photo du chanteur refait surface et créer le buzz. 1h05 Facebook, Twitter, courriel, LinkedIn, lien https://www.public.fr/news/m/embalaissé je me casse moi malmené par Cyril Hanouna ce chroniqueur pite les plombs 1659183 point d'interrogation du source égale plus copier intégré inférieur à iframe src égale /players/pv90k9/html/ydth=640 860 frames bordé = 0 scrolling égale auto visage aux yeux complètement fermés iframe supérieur à copier automatique 180p 1080p 720p 480p 180 live 00.0000002.5802.57 plus de vidéos 012.05 Renault. Une photo du chanteur refait surface et créer le buzz. 002.59 Laetitia d'Espagne se dévoile dans un haut serré lors d'une réunion 012.05 Nolwenn Leroy publie une vidéo de l'association dont elle est marraine 002.59 Une Miss France a épousé un prince. 012.04 Jennifer dévoile sa maison en Corse. 002.53 Famille royale. Laetitia d'Espagne ne porte plus son alliance. 072.07 Zapping. Nouveau clash entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido. 062.59 Zapping. Miss France. D'anciennes candidates taclent le concours de beauté fermé FA.